Nouveau maquillage, nouveau concept, c'est vous qui avez choisi. C'est vous qui avez choisi ce que j'allais appliquer aujourd'hui en maquillage. J'ai mis mes soins, soin vitalité de chez Tonsor et le soin équilibre parce qu'il est plus léger pour l'été. Comme j'ai la peau qui est mixte, à tendance grasse quand même, bien c'est pour moi plus facile, je prie beaucoup moins. Je me suis massée ce matin, donc je vous mets la petite vidéo là aussi pour le massage. Vous avez choisi le fond de teint. J'ai été étonnée parce que je pensais que vous alliez choisir le Fit Me de chez Jemais Maybelline, mais non. Vous avez demandé de voir celui-là. Par contre, je mélange deux tons. Là maintenant, mon 6 est trop doré. Donc j'ai pris, vous voyez, j'en prends très peu. Et je prends un peu, c'est le 4 qui va me doser. Et pas faire un 5 parce que ce sera différent. Mais un coloris qui est plus adapté à ma couleur de peau. Je regarde. C'est pratiquement ce que je veux. Voilà. Et je prends, pour ne pas salir mon ordinateur et mes affaires, mon pinceau. Mais je pourrais l'employer à la main. Mon teint me sert à unifier un ton de peau. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Mais il y a des endroits où quand on vieillit, ici par exemple, c'est moins net. Le menton aussi, moi j'ai des mentons, j'ai des petits... C'est pas des boutons, c'est des boutons entre chair et peau qu'on n'arrive pas à enlever, ou très peu. Donc je dissimule un peu. Et puis les zones, effectivement, qui ne sont plus uniformes. Pour l'anti-cerne, je m'étais trompée, je vous ai fait choisir entre Age Perfect L'Oréal et Age Perfect L'Oréal. Au lieu de vous mettre le Perfect Match, c'est-à-dire l'accord parfait de L'Oréal. Alors, je vais vous montrer les deux, parce que tout compte fait, c'est la même couleur. Alors moi, c'est un... Je vous mets tout ça là-haut. Donc, l'accord parfait, on va le mettre là. Voilà, mais toujours un peu là et un peu là. Et le Lèche Perfect de chez L'Oréal, il est un petit peu plus jaune, hein, celui-là. Allez, on va tester les deux. Je prends un pinceau toujours pour ne pas salir. C'est le pinceau de chez L'Oréal aussi, je trouve qu'il est bien pour les cernes. Pour appliquer, il est bien pour appliquer l'anti-cerne. Alors là, en vieillissant, on a quelquefois du rose ici, juste ça. Donc il ne faut pas hésiter à dissimuler un peu, vous allez tout de suite rafraîchir votre regard. Moi, mon point faible, c'est les paupières, puisque j'ai du vitiligo. Donc je mets toujours une couche d'anti-cerne. Vous savez, depuis mon vitiligo, je devais avoir 17 ans, 18 ans quand je l'ai eu sur les paupières. Et j'étais très bronzée cette année-là. Et croyez-moi, ça me faisait des yeux bizarres, des paupières bizarres. Je m'y suis habituée, mais quand on a 17 ans, c'est un petit peu dur de se réveiller le matin avec ça. Et c'était un choc nerveux, hein, suite à un gros problème familial. Et j'ai eu du pot, parce que ça s'est stabilisé. J'ai des endroits comme ça sur le corps, mais bon, ce sont des endroits qui sont un peu cachés. Mais voilà pourquoi moi je ne peux pas me faire opérer des paupières si j'avais par exemple la paupière tombante. C'est que le docteur Mimoun que j'avais été voir m'avait dit « Oh là là, vitiligo, il n'est jamais complètement stabilisé. » Donc attention, donc je ne veux pas risquer. Et c'est dommage parce que quelquefois je me dis j'aimerais tellement me maquiller toute ma vie que ça va, j'ai eu de la chance. C'est pas trop tombant. Donc voilà ce que j'en pense. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors peut-être est-il un peu moins hydratant, mais sincèrement il l'est aussi. Il tient très bien. Mais l'accord parfait est une gamme de grande tenue. Moi je l'aime vraiment beaucoup. L'autre, alors l'autre est beaucoup plus hydratant, mais il est plus léger. Là, le coloris, il va être quand même trop clair.
il va se voir davantage. Je préfère vraiment l'accord parfait. Je trouve qu'il ne file pas du tout dans les rides non plus. Pas plus que celui-là. Moi, je préfère l'accord parfait. Je vous mets tous les liens et dans la barre d'infos, le plus que de vous dérouler, ou sur mon blog. Je vais poudrer un petit peu et là, j'ai une fin de poudre de chez Kat Von D et une qui est très très bien en... qui peut faire poudre aussi. C'est justement le fond de teint Fit Me que je vais essayer devant vous parce qu'il fait vraiment les deux dents. Les deux en un, il est super. Et celui-là, moi je trouve vraiment formidable, formidable. La prochaine fois, demandez que j'essaye devant vous, je prendrai un autre ton parce que là, il est quand même assez bronzé celui-là. Mais franchement, c'est excellent. Pour mon blush, vous avez demandé le California. Donc voilà comment il se présente, moi je l'aime beaucoup. Pour l'hiver, je ne l'aimerais pas parce qu'il est un petit peu brillant. Il est nacré un petit peu, mais pour maintenant, c'est super. Alors... attention le fard à joues, je tire un petit peu là. Je ne vais pas le monter trop haut, mais un peu quand même. Et pas trop bas non plus, pour ne pas descendre dans le nasogénien. Juste, avec des petits ronds, je ramène sur ma joue. Vous voyez, quand on lave pas ses pinceaux, j'avais le rose de chez L'Oréal avant, et donc je m'en suis aperçue tout de suite que ce n'est pas du tout la même couleur. Donc j'ai rectifié, dans ce cas-là, vous rectifiez en prenant un gros pinceau et en étalant bien, en floutant bien la matière. Donc pareil. J'en mets un peu là. Moi, je ne fais jamais de contouring, mais je fais un peu de contouring avec mon fard à joues. Discrètement, bien sûr. Et puis, bon. Une chose indispensable, c'est les sourcils. Ou parce que vous avez des poils blancs comme moi, si vous avez une ligne parfaite juste avec des poils blancs, bien sûr, il existe dans toutes les marques aussi des mascaras. Là, c'est celui de Benefit. En mettant le mascara, vous allez colorer votre sourcil. Quelquefois, ça peut suffire. Vous avez des trous, ou si vous avez des sourcils qui n'ont pas une grande forme, ben là, il y a ou le crayon, ou des petites mines plus précises, ou le crayon qui peut vous sauver la mise. Vous m'avez demandé d'essayer le crayon Edge Perfect Sourcil de chez L'Oréal. Alors, je vais vous dire, j'ai pas le bon coloris. Ah ben oui, on m'en a offert un, mais c'est pas du tout le bon coloris. Je l'ai bien aiguisé, parce que ça c'est important. Et c'est surtout celui-là que je vais refaire. Parce qu'il est plus haut que l'autre. Donc il ne faut surtout pas que je le monte, mais au contraire que je le descende. Alors quand vous faites vos sourcils, moi je mouille ma mine. Et j'essaye moi aussi de faire des petits traits. Oui, il est gris celui-là, hein. Ça c'est un coloris, je vous mets le nom là. Mais j'aimerais mieux un petit peu plus marronné, légèrement plus doré on va dire. Ces crayons, c'est de très bons crayons. En plus, ils ont une brosse qui est parfaite, vraiment parfaite. Il faut trouver le bon coloris. Donc, vous avez dans tous les grands magasins, c'est vrai qu'Edge Perfect, on ne le trouve pas partout. Hein. C'est vraiment un handicap parce que il devait être dans tous les Monoprix. Moi, j'ai tas de Monoprix où je ne l'ai pas trouvé. Donc, ça ne va pas. Et acheter ça sur le site... sans voir les coloris, moi je trouve ça très difficile. Essayez, demandez à la vendeuse dans tous les Monoprix, il y a quelqu'un qui s'occupe de la parfumerie, de la marque. Donc demandez qu'elle vous fasse un maquillage sur les sourcils pour voir dehors si c'est le ton qui vous convient. C'est important, faut pas se tromper. Même si c'est pas des produits horriblement chers, quand même,
ça a un coût, c'est ridicule. Donc, testez toujours avant d'acheter. Allez, pour terminer cette première vidéo, je vais tout simplement faire mes lèvres. Pourquoi? Parce que je fais cette vidéo maquillage en deux fois. Là, c'est un maquillage qui va être hyper simple avec du rouge à lèvres, vous allez voir. On peut tout de suite avoir meilleure mine et puis vaguer à ses occupations, faire ci ou ça. Et telle personne que ça intéresse d'avoir des maquillages très très légers parce qu'elle n'aime pas se maquiller beaucoup. Dans la vidéo qui va suivre, vous aurez la suite du maquillage avec le maquillage du regard. Pour le rouge à lèvres, vous m'avez demandé de tester le rouge lumière et moi c'est le 106 que j'ai eu. Donc je vais quand même faire un tout petit tour de crayon. Je vais faire aussi avec un crayon L'Oréal qui est au bout de sa vie. Ne pas descendre trop loin. Si on a la paupière, si on a les lèvres qui ont tendance un petit peu à tomber, la pesanteur. Elle tombe tout un peu les lèvres. Donc, essayez de faire l'arc de Cupidon qui est là. Sans le forcer trop. Il faut que ça reste naturel. Dites-vous bien que ça s'estompe vite le rouge à lèvres. Alors, si vous mettez un crayon qui tient très fort, que le rouge à lèvres s'estompe et que ça fait des marques, c'est horrible. Restez dans le même ton que votre rouge à lèvres et avec un crayon. Ces crayons-là sont parfaits parce qu'ils tiennent très très bien. Chez H Perfect, vous avez un crayon aussi qui est à base de silicone sans doute, qui permet de ne pas déborder, de tenir le rouge à lèvres, de faire une barrière en quelque sorte. Moi, ce n'est pas le crayon qui m'a le plus plu. Le crayon qui m'a le plus plu pour les lèvres, c'est tout simplement les transparents à base de silicone. Vous en avez chez Kiko, hein, qui est très très bien. Parce que, eh bien, ça va éviter à votre rouge à lèvres de filer vraiment. Pour faire tenir davantage mon rouge à lèvres, je vais mettre du crayon pour faire une base. Dans les rouges à lèvres lumière de chez L'Oréal, vous avez deux tons. Là, on le voit moins, mais vous avez le côté hydratant là et la couleur. Le côté hydratant, c'est formidable, mais dans ce cas-là, il aura moins de tenue. J'ai beaucoup d'amis qui l'emploient l'été comme ça, parce que ça fait comme un gloss en quelque sorte. Ça va super hydrater vos lèvres, et pour l'été, c'est parfait. Moi, j'emploie l'autre côté, parce que j'ai envie d'un peu plus de tenue. Ah, il s'applique très très bien. Il est très onctueux, même de l'autre côté. Non, il n'a pas une tenue de ouf, non. Mais il hydrate, pour les personnes qui ont des lèvres très très sèches, c'est parfait. Puis de toute façon, une tenue de ouf, hein. Moi je ne connais pas beaucoup de rouges à lèvres qui tiennent très bien sans abîmer les lèvres. Si vous avez des rouges à lèvres qui tiennent, incroyable, mais ça dessèche. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est déjà mieux au teint. C'est plus agréable. Un petit peu de mascara et le tour est joué. Surtout si vous avez des paupières qui sont bien unies, vous. Moi, elles ne le sont pas. Donc, je sortirai pas avec sans au moins mettre une base. Mais voilà ce que vous pouvez faire. Et c'est ça fait un teint déjà beaucoup plus lumineux. On se retrouve jeudi pour la suite de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de tous vos nouveaux abonnements. Le mois d'août a été complètement fou. Je vous remercie, ça me fait chaud au cœur. Merci, merci. Tous vos commentaires aussi, vous ne vous laissez pas de commenter. Et franchement, mais c'est un vrai bonheur. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite une très, 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 très bonne semaine.